êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Togré Koumbé, même heure à Walia. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal, Sidiki Dembélé. L'actualité, première édition de ce mardi 19 septembre 2023. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako est environ 23 degrés ce matin. Ciel partiellement couvert, 20% de possibilité de pluie, humidité 59%, du vent 13 km à l'heure et la maximale attendue est de 33 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, les préparatifs de la campagne agricole 2023-2024 déjà, le gouvernement décide de régler les problèmes d'approvisionnement en intrants. Tous les acteurs du domaine étaient face au ministre du Commerce hier pour mettre en place un dispositif efficace. Nous ferons le point avec Slomane Kenza Sidibé dès le début de ce journal. La semaine nationale de la réconciliation, deuxième édition, est au menu. Nous parlerons de la participation pleine et effective des femmes dans le processus de paix. Elles ont fait une batterie de propositions à l'issue de leur journée de réflexion. Les détails avec Sorana Kamisoko dans ce journal. La chronique Initiative citoyenne avec Ousmane Daou qui nous ouvre les portes de l'Association pour les actions concrètes et citoyennes. Et enfin, la page des sports avec l'athlète Seragatou Sissé. Bonjour. Bonjour, Sidiki Dembélé. Est-ce que tout va bien, Seragatou? Ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Les aigles d'âme du Mali amorcent la dernière ligne droite de la préparation en vue du match aller face à la Centrafrique le 22 septembre. La Ligue des champions d'Europe, saison 2023-2024, est de retour avec la phase de groupe ce mardi avec 8 rencontres, dont l'entrée en lice du tenant du titre Manchester City. Et nous terminerons par la rubrique insolite du jour. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. C'est parti. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Le nouveau code minier et la loi sur le contenu local. Ces deux lois étaient hier au centre d'une rencontre entre le ministre des Mines, les sous-traitants et fournisseurs de sociétés minières. L'adoption de ces deux lois qui révolutionnent le secteur minier au Mali a été saluée par tous les acteurs. Des acteurs qui ont promis d'accompagner le gouvernement à travers leur département de tutelle. Le reportage est signé Mamari Koné. Les sous-traitants et les fournisseurs du secteur minier jouent un rôle de premier plan dans l'application de la loi sur le contenu local. En initiant ces cadres d'échange, le ministre des Mines a voulu faire d'une pierre deux coups, prendre contact avec ces acteurs et échanger avec eux sur cette loi d'une importance capitale. Amadou Keita, ministre des Mines. Si la loi oblige les entreprises minières à donner la priorité aux nationaux, il faut bien que ces nationaux soient en capacité de fournir des biens et des services qui répondent aux standards. Il y a à ce niveau aussi un travail à faire. Donc c'est pourquoi nous avons souhaité vous rencontrer, justement pour qu'ensemble nous échangions. Faisons en sorte que nous ayons des entreprises nationales fortes. Parce que ce sont les entreprises qui créent la richesse. Ce sont les entreprises qui créent les emplois. Les questions de clarification, les contributions et autres interventions ont permis aux acteurs des secteurs bâtiment, géologie, extraction, transport et autres de cerner tous les contours de cette loi. Mahamadou Diakité, fournisseur national. Il y a beaucoup de problèmes qui ont été posés, notamment le besoin urgent d'avoir une plateforme pour recenser l'ensemble des fournisseurs et pouvoir catégoriser les fournisseurs et en niveau et en différents secteurs pour permettre même à l'État aussi d'avoir une visibilité sur ce secteur-là et aussi permettre aux entreprises aussi d'avoir accès aux informations venant des sociétés minières afin que les entreprises nationales puissent acquérir beaucoup plus de retombées et que ces retombées puissent être réparties sur l'économie dans l'ensemble à travers la création d'emplois, paiement des impôts et ainsi de suite. Yaya Traoré,
sous-traitant national. Avec le ministre, on a compris aussi que combien de fois, en tout cas, le président de la transition et son équipe sont prêts à supporter la société locale. Nous sommes très contents du nouveau code minier et en tout cas de la loi relative au contenu local. Il y a beaucoup de clarifications qui ont été faites. Le contenu local vise à augmenter la valeur ajoutée locale et à favoriser la création d'emplois locaux dans la chaîne de valeur des industries minières grâce à l'utilisation de l'expertise ainsi que des biens et services locaux. À titre de rappel, la loi sur le code minier et celle sur le contenu local ont été promulguées le 29 août 2023 par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Mamadi Konish, gouverner, c'est prévoir, dit-on. C'est pourquoi le gouvernement décide d'anticiper les préparatifs de la campagne agricole prochaine avec un dispositif d'approvisionnement du pays en intrants. C'est dans ce cadre que le ministre du Commerce et de l'Industrie a rencontré hier les opérateurs économiques du secteur des engrais. Des informations utiles, à savoir des dispositions à concrétiser, sont déjà arrêtées avec la Fédération de la Russie pour l'approvisionnement correct des paysans en intrants agricoles. Mieux, les opérateurs ont également des commandes fermes sur les différents marchés. Plus de précisions avec Suleymane Kenza Sidibé. Il est à prévoir une hausse du prix du carburant sur le marché international des hydrocarbures. Du coup, il faut s'attendre à une augmentation du prix des engrais qui sont les produits dérivés du pétrole. D'où cet engagement du gouvernement pour anticiper sur les difficultés qui peuvent surgir, pouvant perturber l'approvisionnement du pays. Ce qui est sûr et certain, des initiatives sont en cours depuis la visite du président de la transition en Russie en juillet 2023 pour assurer le ravitaillement du pays en intrants agricoles. Moussa Alassane Diallo, ministre du Commerce et de l'Industrie. Nous comptons avec l'ensemble de nos fournisseurs d'intrants prospecter le marché russe dans le cadre de l'approvisionnement en intrants de notre pays pour la campagne 2023-2024. Comment avec les opérateurs économique malien, les fournisseurs d'entrants, comment nous organiser, nous structurer de façon à aborder ce marché russe-là dans le cadre de l'acquisition des intrants de qualité, de quantité et à moindre coût. Nous remercions pour cet engagement heureux pour le monde rural. Nous nous portons volontaires à accompagner le gouvernement, c'est en dépit de certaines difficultés. Moussa Diabaté, président de l'association ouest-africaine des importateurs et exportateurs des engrais. Nous avons des outils de solution. Parmi ces outils de solution, il y a cette possibilité que nous fassions ensemble une mission en Russie, voir dans quelle mesure nous pourrons avoir des engrais à meilleur prix. Nous avons déjà pris le devant. Nous sommes en contact avec nos partenaires au Maroc, en Arabie Saoudite, affirme Ibrahim Doucouré, DPA, Éléphant Vert. À ce dire, plus de 50 000 tonnes sont déjà chargées et en bateau pour les besoins de la cause. Les ministres du Commerce, de l'Industrie, de l'Agriculture et celui de l'Économie se concertent maintenant tous les vendredis pour discuter, trouver les solutions idoines au monde rural et celui du commerce et de l'industrie. L'actualité sur autre plan, les activités de la deuxième édition de la Semaine nationale de réconciliation battent leur plein depuis le 15 septembre dernier. Les femmes ne veulent pas rester en marge de ces activités. C'est pourquoi d'ailleurs les responsables du département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et ceux du ministère de la réconciliation nationale étaient réunis hier ici à Bamako. Au menu de la rencontre, la réflexion sur l'amélioration de la participation des femmes dans le processus de paix. Une journée de réflexion qui a enregistré la participation de plusieurs associations et groupements féminins. On fait le point avec Sokona Kamisoko. On ne peut prétendre à une paix durable au Mali sans pour autant impliquer les femmes dans le processus. C'est fort de cette conviction que le département de la réconciliation nationale a voulu faire participer les femmes aux activités de la 10e édition de la Semaine nationale de réconciliation au Mali. Cette journée de réflexion devra permettre aux participantes de cerner la problématique de la paix et de la réconciliation nationale. Lieutenant-colonel Fatoumata Bintou Sangaré, conseiller technique au ministère de la Réconciliation nationale, de la paix et la cohésion nationale. Donc, il s'agit pour les femmes de réfléchir pour voir les voies et moyens d'amélioration de leur participation dans le processus de paix. On voudrait donner une fois de plus la chance à toutes les femmes de s'exprimer réellement et de voir quelles sont les pistes à explorer
pour améliorer cette participation. Le thème choisi pour cette année est « Ensemble, engageons-nous pour relever les défis d'une paix inclusive et durable au Mali ». Koulibaly Mariam Maïga, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Cette activité qui rentre dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de la réconciliation nous donne une fois de plus l'occasion d'échanger autour de la question de la paix et de la réconciliation nationale qui est d'une importance capitale pour nous femmes et enfants, car gage de stabilité de la famille, de la communauté et du pays tout entier. Le ministère en charge de la réconciliation a élaboré sa stratégie sectorielle genre en vue de prendre en compte la dimension genre dans toutes ses actions. Cette journée de réflexion sur l'amélioration de la participation des femmes dans le processus de paix a vu la participation de plusieurs associations et groupements féminins. Sokona Kamisoko, rebonjour Saragatou Sissi. Rebonjour Sidiki Dembélé. Est-ce que tout va bien Saragatou? Je me porte à merveille. Donnez-nous l'heure, et la bonne et la vraie heure. Il est 7h11 minutes à Bougouni et Bambara Maoli. On se retrouve juste après les Djungor. Basketball, la phase interligue est en cours à Koulikoro. Saragatou, 4 matchs sont au programme ce mardi. Oui, en ce moment, en série dames, IS Kita, IS Sévaré sur le terrain A et sur le terrain B, Ice Mandé CLDC. Et à 8h30, en série messieurs, CFSK, Debo Club de Mopti et Ice Commune 1, CAFS. À partir de 16h30, AFPSS de Gao CBD, suivi de CRBT ISM. Et à 18h, deux autres matchs chez les dames, sonnés à ceux de Gao CBD et Atracop de Kidal ISM. Hier, CRBD a dynamité le développement de Mopti 101-38 chez les messieurs et succès 61-37 de la commune 1 sur l'USM. Au niveau des dames, Atracop de Kidal bat l'US Sévaré 77-46. Victoire 60-36 de l'AS Mandé sur l'USM. Tous ces détails nous ont été communiqués par Assa Soumaré, notre envoyé spécial à Koulikoro. Ah oui, dynamité. Un mot, Saragatou, sur les préparatifs de la CAN féminine Maroc 2024. Les aigles dames du Mali préparent activement leur duel face aux fauves dames de la Centrafrique. Oui, le match aller de ce deuxième tour est prévu le 22 septembre. Les aigles dames, composées pour l'instant de joueuses locales, en attendant l'arrivée des professionnels, se préparent au complexe sportif Kayali Diawara de La Serral. Le sélectionneur Mohamed Saloum Hussein se bat avec les moyens du bord pour aller chercher un résultat à Yaoundé face aux fauves dames de la Centrafrique. Cette rencontre aller du deuxième tour est délocalisée au Cameroun. La Centrafrique n'a pas de stade homologué par la FIFA et la CAF. Alors, un mot sur la Ligue des champions d'Europe, Saragatou, c'est la grande rentrée des classes, on peut dire ainsi. Grande rentrée des classes 2023-2024, phase de groupe, 32 équipes pour la succession de Manchester City. Tout à fait, l'honneur revient au groupe F d'ouvrir le bal avec les retrouvailles à 16h45, temps universel, entre l'AC Milan et Newcastle 21 ans après. Et là, à la même heure, 16h45, Young Boys, Berne, Leipzig dans le groupe G. À suivre à 19h, temps universel, les matchs suivants. Paris Saint-Germain, Dortmund, Lazio Rome, Atlético de Madrid, FC Barcelone, Royal Antwerp, Shakhtar Donetsk, FC Porto, Feyenoord, Rotterdam, Celtic, Glasgow et Manchester City, Étoile Rouge de Belgrade. À noter que cette saison 2023-2024, la finale se jouera le 1er juin. Au stade de Wembley de Londres. Question, oui, question, Saragatou, question à 1 million de francs CFA. Alors, combien de joueurs maliens vont disputer cette saison la prestigieuse compétition européenne? Ils sont au nombre de 9. Il s'agit de Hamari Traoré de la Real Sociedad, Masayo Haidara de Lens, Sikou Niakate du Sporting Braga, Amadou Haidara Doudou de Leipzig,
et la colonie de Radbourg-Salzbourg en Autriche, Sekou Koïta, Nenebe Dorgales, Daouda Guindo, Mamadou Djambou et Moussa Koufolo Yeo. L'histoire retiendra, Sidiki Dambé, que deux Maliens ont déjà inscrit leur nom au tableau d'honneur de la Ligue des Champions d'Europe. Jimmy Traoré de Liverpool en 2005, vous avez suivi ce match en plein de suspense. Et Seydou Keita. Je me rappelle comme c'était hier. Tout à fait. Seydou Keita avec le FC Barcelone en 2009 et 2011. Alors, on va vérifier, donc avant de passer à la caisse, c'est la gâteau. D'accord. Qu'est-ce qu'il nous reste ? L'insolite du jour. Ah oui, l'insolite du jour. Vous allez vérifier avec Khalifa Namatraoré. Avec Khalifa Namatraoré, bien sûr. Alors, un joueur... Une bibliothèque. C'est sûr. Un joueur à l'intérieur du pays doit marquer, tenez-vous bien, doit marquer 3 buts au cours d'un match de football. Vous savez pourquoi ? Oui, pour honorer son engagement vis-à-vis d'une personne spéciale présente au terrain, Sragatou. Vous étiez là, vous avez tous vu, vous connaissez cette personne spéciale également. Alors dites-nous, comment ça s'est passé ? Alors, la veille du match, un joueur avait un défi à relever pour arriver à ses fins. Oui. Celui de marquer 3 buts synonyme de demande en mariage. Ah, ça n'arrive pas tous les jours. Ah, je comprends maintenant. Le joueur ne voulait tout à fait. Le joueur ne voulait nullement rater cette occasion en or. Ça vaut le coup. Ah oui. Il a prié de toutes ses forces. La personne est spéciale, ce regard. Il a prié de toutes ses forces pour être titulaire. Le 11 de départ est choisi. Mm-hmm. Il n'y figure pas. Ouh là là. Ça donne des soucis. Comment est-ce possible? Des nouvelles de la supportrice, vous allez me demander. Alors, elle est présente au terrain. Le match commence. Pour voir les trois buts. Les 3 buts, voire plus. Le match commence. À 10 minutes de la fin, le score est de 0-0. Ouais. Notre héros du jour entre enfin en jeu. Ah, enfin. Il a un fardeau sur ses épaules, marqué 3 buts et décroché la lune. Dès sa première touche de balle, il pivote et ouvre le score. D'un signe de la main, il indique 1. Ah, Dieu merci. À qui ? Allez savoir. Ça commence bien. Allez savoir. Très chanceux, il inscrit 2 autres buts et porte son compteur à 3. Ah oui. Le compte est bon. Oui. À la fin du match, selon nos sources, le joueur se dirige vers la supportrice et attend le verdict. La supportrice, toujours selon nos sources, a honoré son engagement. Ah oui. Enfin, Dieu merci. C'est à fait. La parole donnée est sacrée. Tout est bien qui finit bien. Sacré Sragatou, merci. Initiative citoyenne. Le développement à nous-mêmes. On attend votre promesse aussi, Sragatou. Dans la chronique Initiative citoyenne de ce mardi, plein feu sur l'Association pour les actions concrètes et citoyennes ASCOSI, une association qui se bat tous les jours pour un changement de comportement des citoyens, l'amélioration de la qualité de l'éducation et l'autonomisation des personnes en situation de handicap. Pour cela, elle a fait de la formation civique son credo en amenant la population à mieux connaître ses droits et devoirs dans tous les domaines. Ousmane Daou nous présente ASCOSI, c'est une rediffusion. L'Association pour les actions concrètes et citoyennes, comme son nom l'indique, met au cœur de son programme les citoyens pour apporter un changement dans leur comportement de tous les jours avec des interventions sur le terrain et des formations. Amadou Koulibaly, président de l'Association pour les actions concrètes et citoyennes. Nous avons doté certains centres d'écoute de santé, certains hôpitaux. En plus de cela, nous avons réalisé des actions de don de sang. Nous avons mené aussi des activités de formation. Après quelques années d'existence et grâce à ces interventions, ASCOSI bénéficie de l'appui et du soutien de la population dans ses zones d'intervention, à savoir Bamako, la commune rurale de Kalabankoro et certaines capitales régionales. Les actions qui ont été posées lors de la période de coronavirus, lors de nos activités de formation, lors de nos activités de café citoyen, les citoyens ont été édifiés, par exemple, sur le processus de démocratie, sur le processus d'obtention des dossiers administratifs. Donc, les populations sont en train de comprendre petit à petit l'impact que l'association ASCOSI peut avoir sur leur développement. L'Association pour les actions concrètes et citoyennes travaille également sur le levier de la connaissance, voire la maîtrise du droit et du devoir par un citoyen vis-à-vis de l'État. Ils sachent d'abord qu'ils ont un contrat social, qu'ils ont un contrat de citoyenneté vis-à-vis de l'État du Mali, qu'ils doivent d'abord accomplir leurs devoirs. Nous attendons des citoyens qui changent de comportement. Vous voyez que le système est alarmant quand on s'amuse à jeter un regard sur la circulation.
sur l'environnement scolaire, sur l'environnement universitaire, même sur la gestion des familles. Si on regarde la gouvernance familiale aujourd'hui, il y a des difficultés. Donc les citoyens doivent comprendre que tout projet de développement, et ils doivent être au cœur. Et c'est pour eux. Chacun doit d'abord faire son devoir avant de réclamer son droit. Outre la formation du citoyen, elle a élargi son intervention dans le milieu scolaire avec un nouveau projet. Amadou Koulibaly, président de l'Association pour les actions concrètes et citoyennes. C'est un projet qui vise les écoles publiques. C'est des cours d'accompagnement que nous allons faire uniquement pour les élèves de la 9e année. Ce programme contient un volet spécial aussi pour les enfants handicapés qui ont des difficultés à la fois motrices, à la fois autres aspects, pour pouvoir accéder à la connaissance. C'est des enseignants qui seront pris en charge par l'association pour pouvoir accompagner ces enfants-là. Dans l'attente d'un partenaire pour la réalisation de ce projet, Askosi reste convaincu que la maîtrise de ses obligations en termes de droits et devoirs est le premier pilier pour développer sa communauté, voire son État. Merci, Ousmane Adao. 7h20 à Doumanaba et à Bafoulabé. C'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Bourama Traoré et à Idrissa Dembélé qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques Mamadou Bé Diallo. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly. Présentation Sidiki Dembélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo avec Djenéba Doumbia, suivi des avis divers avec Fousseni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Bemba Sibi pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Jean-Jacques Rousseau. Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. Oui, il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir. Sur les ondes.